Bonjour et bienvenue dans notre chaîne des astuces informatiques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle astuce concernant cette fois une technique pour contrôler votre smartphone à partir de votre ordinateur. Donc, cette technique est très très simple donc à utiliser. On a besoin juste d'une application qui s'appelle Movizen, comme vous voyez. Movizen, c'est une application donc qui permet de faire tout ça et contrôler donc facilement votre smartphone à partir de votre ordinateur. Tout d'abord, on va aller à notre smartphone. Comme vous voyez, donc ça c'est l'écran du smartphone. Ah. Donc vous pouvez contrôler donc facilement votre smartphone à partir de votre ordinateur. Donc la première étape c'est d'aller à Play Store pour télécharger l'application Movizen. Comme vous voyez. Donc maintenant, j'utilise, bien je contrôle mon smartphone à partir de mon ordinateur facilement. Voilà. Donc je vais faire une recherche sur Movizen. Vous voyez, voilà, Movizen. Voilà. Donc je l'ai déjà téléchargé et installé. Donc à vous donc de télécharger donc cette application et de l'installer. Ensuite, c'est donc la première étape de l'installer sur votre smartphone. La deuxième étape, c'est d'entrer donc à partir de votre smartphone à Movizen et vous allez bien sûr avoir besoin donc d'un email et d'un mot de passe. Donc c'est à vous de créer donc chez Movizen à partir de votre smartphone. Généralement, on va être donc un compte Gmail qui va être détecté automatiquement à partir de votre smartphone. Ensuite, la deuxième étape, vous allez à votre ordinateur et puis installer l'application Movizen à partir du site de Movizen. Donc le site web de Movizen, c'est là, donc www.movizen.com. Voilà, vous allez donc à ce site web pour télécharger l'application Movizen à partir donc en bas. Voilà, donc vous avez les trois étapes principales pour faire une connexion entre le smartphone et l'ordinateur. Première étape, c'est de l'installer sur le smartphone, ensuite l'installer donc sur l'ordinateur et puis faire une connexion. Comme vous pouvez aussi, sans donc installer l'application sur l'ordinateur, vous pouvez vous connecter directement à partir du site web Movizen. Donc vous voyez donc sur cette fenêtre-là. Donc vous avez comme un écran donc du smartphone. Donc vous n'allez donc qu'à entrer donc votre email et votre mot de passe et puis cliquer sur connect pour donc vous connecter à votre smartphone. Donc après un clic donc sur connect, vous allez voir cet écran. Affiche donc un code. Donc ce code va être utilisé dans votre smartphone. Donc vous allez entrer donc ce code dans votre smartphone pour faire une vérification pour cette connexion entre le smartphone et l'ordinateur. Ensuite, vous pouvez donc naviguer sur votre smartphone aisément comme ça. Par exemple, pour moi,
Si je veux afficher les paramètres, comme ça, donc les paramètres de mon smartphone, là, vous voyez, ça c'est l'écran donc de mon smartphone. Comme vous voyez, je peux naviguer donc aisément sur cet écran de mon smartphone. Regardez, je vais aller donc jusqu'à là. Dernier donc paramètre. Si je veux changer quelques paramètres, donc c'est possible. Par exemple, les paramètres du son. Vous voyez, les paramètres du son à partir de l'ordinateur directement vont être appliqués à mon smartphone. Et si je change par exemple changer la sonnerie de l'appareil, voilà, comme vous voyez. Voilà. Voilà. Donc, comme vous voyez, l'opération est très simple. Donc, pour contrôler à 100% votre smartphone à partir de votre ordinateur. Même, on peut envoyer des appels, des messages à partir de l'ordinateur. Par exemple, si je veux envoyer un message, voilà. Voilà, donc je vais taper donc le message et puis le destinataire. Ensuite, on va cliquer sur envoyer. Voilà, c'est un contrôle total donc à partir de votre ordinateur. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous laisse. Merci et à la prochaine.